Bon, je refais la vidéo parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont compris. Donc, je vous montre de près. Elle va de 7, de 5, pardon, jusqu'à 25 newtons, d'accord? Il n'y a pas, il y a les cœurs de newtons, elle n'est pas en inch ou ce que tu veux, quoi. Donc, là, tu as tous les chiffres 5, 10, 15, 20, 25, tu vois. Et là, tu as toutes les virgules, tu vois. 7,5, 12,5, 7,5, 22,5. Et par exemple, tu veux mettre 8 newtons, tu vois. Donc là, tu as 7,5, d'accord? Tu n'as pas 8, je suis d'accord. Donc si tu veux mettre 8 newtons, il faut que tu mettes 7,5 plus 0,50. Donc le 0, c'est pour mettre, tu vois, sur le 5, tu vois, 5 sur 10, ce que tu veux. Tu vois. Donc, pour mettre à niveau. Tu veux. Donc tu tires là-dessus, ça désengage le. Ça bloque plus, quoi, si tu veux. Là, c'est bloqué. Tu vois. Donc tu veux 8. Donc faut que tu mettes le 0. Tu vois, là tu as 7,5. Toi, il te faut 8. Parce que tu as besoin de tirer un truc à 8 newtons par exemple. Donc faut que tu mettes ton 0 qui est là, tu vois. Parce que la petite barre qui est là, tu vois. 7,5, d'accord? Donc tu tournes. J'essaie de me mettre bien pour que tu vois. Donc tu tournes jusqu'à ce que le 0 arrive sur la petite barre, tu vois ici là, pour que ça corresponde à 7,5. Tu vois. Donc tu tournes. Faut que ça arrive à fleur, quoi, si tu préfères. Là. Là, tu vois, 7,5. Tu vois, le 0 est à fleur avec la barre. Tu es à 7,5. Mais toi, il te faut 8. Donc faut que tu rajoutes 0,50 au 7,5, tu vois. Donc tu tournes. Voilà. C'est 7,5 plus 0,50. Donc là, ça te fait 8 newton mètres. Tu vois ce que je veux dire? Ben, si tu fais comme il m'avait dit Laurent, par exemple, alors, je te montre comment Laurent. Il y a une notice, hein, c'est pas pour rien. Attends qu'il fasse le focus. Pardon. Là, si tu veux, t'es pas à 7,5, tu vois. C'est le trait du bas qui mesure là-dessus. Là, tu es à 10. Donc c'est pour ça, hein, lisez quand il y a une notice, parce que toutes les clés dynamo ne marchent pas pareil. Donc, je te remontre. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des chiffres, ils ne sont pas là par hasard. Tu vois. Là, tu vois, je suis à 7,5. En plus, j'ai sauté. C'est comme ça. N'arrive pas à faire le focus. Il y a trop de lumière. Là, le 0 est sur le 7,5. Il te faut 8. Donc tu fais 7,5 plus 0,50. Je te remonte. Donc tu ramènes à 0,50. Du coup, là, tu vois, le 0,50 est sur le 7,5. Ça veut dire que tu fais 7,5 plus 0,50, ben ça fait 8. Donc là, tu as 8 newtons. C'est pas plus compliqué, ça marche comme ça. C'est la même. Voilà, j'espère que vous allez comprendre. Faut lire une notice juste.